Fidèles internautes de National TV, vous qui prenez du plaisir à nous suivre matin, midi et soir, nous voici encore en début d'une nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi, lundi 8 mai 2023 et toute l'équipe de ce rendez-vous, voilà, de débat inscrit dans sous la bannière de National Actu reprend service aujourd'hui et mes invités comme d'habitude sont déjà bien présents dans ce studio. Avec moi, cher René Martial Agoliabo, vous êtes le directeur régional au Mes Plateaux du quotidien Le Matinal. Bonjour Martial. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos amis internautes de la National TV. Merci d'accepter cette invitation à nouveau. C'est moi. En face de vous, Gérard Noubet, directeur de publication du quotidien Le Chronomètre. Doyen Gérard, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour chers amis internautes de la National TV. Merci de vous rendre disponible chaque fois, toutes les fois. C'est un plaisir partagé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons revenir sur la célébration de la journée internationale de la liberté de presse avec mes aînés en studio. Aujourd'hui, parler un peu de comment ce métier évolue en République du Bénin, également dans les pays de l'Afrique francophone. Nous allons démarrer par vous, Gérard Noubet. Les 3 mai sont de chaque année dédiés pour parler de la liberté de la presse. Vous êtes journaliste au Bénin. Comment voyez-vous ce moment? Bon, la journée, merci d'abord, cher ami. La journée internationale de la liberté de presse, je crois que ça devrait normalement être une journée où, pour permettre à nous, journalistes, de réfléchir sur le monde des médias, pour savoir, pour faire le bilan, de savoir ce que nous faisons là où nous en sommes, faire l'état des lieux, savoir où, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour gagner le combat de la liberté de presse. Parce que la liberté de presse, sous tous les régimes, ou tous les régimes, ou tous les États, a toujours un problème, a toujours été un combat qui ne finit jamais, un combat sans fin. Et le rôle fondamental de nous en tant que journalistes, c'est de nous unir, c'est de nous battre pour gagner cette liberté contre vents et marées. Et nous avons donc démarré, je note malheureusement que nous voyons souvent cette journée sous l'aune des moments festifs, où on pense que il faut se récréer. Non, ce n'est pas pour se récréer, mais plutôt ça devrait nous permettre de nous ressaisir, de s'asseoir, de repenser ce monde, de savoir qu'est-ce que nous faisons et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour gagner la liberté, pour que le combat de la liberté soit gagné. Puisque depuis plusieurs années, quand nous regardons le Landerneau politique, l'évolution, nous avons vu que les acteurs, les autres acteurs, je veux parler des acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs ne nous facilitent pas la tâche, ne nous permettent pas d'être ce que nous sommes. Et si nous pensons que c'est eux qui vont nous aider à gagner cette liberté de presse, on ne l'aura jamais. Puis eux, leur souhait ou leur souci majeur, c'est de réussir à mettre la main sur nous, c'est de caporaliser la presse pour que la presse ne soit pas contre eux. Et c'est l'occasion même pour nous de demander aux populations, aux contribuables qui sont les premiers bénéficiaires de ce que nous faisons, de nous soutenir contre vents et marées pour nous permettre de gagner ce combat, le combat de la liberté de la presse. Merci à vous Gérard Noubet, Martial Agoliabo, 3 mai, liberté de la presse. Vous avez entendu un peu le développement, les analyses de Gérard Noubet. Je pense que comme le mois de mars est le mois des femmes, dédié à la femme, le mois de mai devait être dédié donc aux hommes des médias. Comme l'a dit Noubet, moi je vais catégoriser en fait la journée du 3 mai sur deux volets. Il y aura bel et bien le moment festif, oui, et également le moment de réflexion. Moment festif, pourquoi? Parce que vous savez très bien que pratiquement en une année, on n'a aucune occasion pour se ressourcer, quand même pour s'amuser un peu. Donc si on nous accorde en fait ces journées, je pense que en temps normal, les patrons de presse et les hommes des médias en général doivent fêter. C'est un moment festif. Mais après ce moment festif, il faut avoir également un moment de réflexion. Réflexion en quel sens? Déjà, je dis toujours une chose, il faut savoir que la liberté de presse dont nous parlons, oui,
elle est d'abord individuelle. Avant d'être collective, elle est individuelle. Voilà. Pourquoi je le dis ainsi? Vous devez savoir que, déjà, si nous n'arrivons pas nous-mêmes, d'accord, en tant qu'hommes des médias individuels, si nous n'arrivons pas à nous approprier véritablement en fait, la Bible, quand je parle de notre Bible, c'est le code de la déontologie politique. Combien d'entre nous, en fait, arrivent à se l'approprier? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, si vous violez, en fait, tous les jours, chaque jour qui passe, notre Bible, où il y a des interdits, vous savez qu'il y a des interdits, mais vous les violez, est-ce que vous pouvez parler de liberté de presse? C'est là la réflexion. Donc, c'est individuel. Et tout à l'heure, il a évoqué un cas, une situation, où il dit, en fait, que c'est dans l'union que nous devons donc porter, en fait, l'étendard, la restauration de la presse. Mais, est-ce qu'il y a cette union? Mais s'il n'y a pas cette union, il faudrait que vous et moi, en tant qu'hommes des médias, individuellement, nous arrivions quand même à chercher, à parfaire en fait ce que c'est que la liberté de presse. Donc c'est individuel. Mais pour que ce soit collectif, il faudrait que tous les hommes des médias, d'accord, arrivent quand même à se ressourcer, à s'interroger, à interpeller leur conscience pour véritablement en fait aller dans la même direction. Malheureusement, on n'en sait pas. C'est ça qui est grave en fait au Bénin. Donc frère, vraiment, il faut l'union, comme on l'a dit. Mais déjà, il faut savoir que l'unité dont nous prenons en fait n'est pas encore arrivée à son terme. Donc il faudrait quand même que nous fassions la restauration de nos âmes. Parce que vous savez, comme je le dis, l'homme des médias, que ce soit quand je parle de journaliste, il peut embraser un pays. Bien sûr. Ah oui, à travers ses écrits, à travers ses propos, il peut embraser un pays. Alors si nous savons ainsi, Nous devons en fait de nous conscientiser, d'interpeller notre conscience à tout moment, d'accord, pour aller maintenant ne pas arracher la liberté. On n'arrache pas la liberté de presse. C'est une dignité en fait. Oui, c'est une dignité. Il faut le mériter. Donc c'est ça en fait la journée du 3 mai que nous devons d'abord capitaliser et avoir la conception de la valeur républicaine que nous prônons parce que nous sommes en fait les acteurs de développement d'une nation. Ah oui, le journaliste est un acteur de développement d'une nation. Et si nous n'incarnons pas cette valeur, nous allons passer à côté. Gérard Nungu a parlé également tout à l'heure de la caporalisation de la presse par certains qui devraient en temps normal aider, en tout cas travailler pour obtenir cette liberté. Oui, si nous devons en arriver là, ça passe par nous-mêmes. Quel comportement adoptez-vous pour vous faire respecter? C'est ça la logique des choses. Si vous n'avez pas un comportement sain, mais ils vont vous rudoyer. C'est un exemple, je donne un exemple très simple. Allez-y. Vous, en tant qu'homme des médias, d'accord, vous ne savez pas le rôle, ce que vous-même vous êtes. Vous ne connaissez pas. Et vous parlez, vous allez quelque part vous dire, je suis journaliste. Sans savoir véritablement ce qu'est le journaliste. Mais si vous vendez votre âme au diable, mais celui qui est en face de vous va vous monnayer, vous serez en fait multiplié à 25 francs. Au lieu d'être multiplié à 10 000, vous serez multiplié à 25 francs. Parce que c'est vous-même qui l'avez cherché. Mais quand vous le faites ainsi, est-ce qu'il y aura union? Parce que demain, si moi je vais, je dis je suis journaliste, on va croire que je suis aussi 25 francs. Moi, je suis pas 25 francs. Vous êtes au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. C'est là la réalité des choses. Donc, il y a un travail que nous allons faire. À travers la conscientisation, à travers la valorisation de nos âmes. C'est très important. C'est très important. Si tu te vends moins cher, la rue va t'acheter à crédit, Gérard Nungu. En ce sens-là, comment voyez-vous, sinon, le fonctionnement de ces différentes fêtières qui s'occupent de la presse aujourd'hui au Bénin? Vous l'avez suivi? Bon, je l'ai suivi, mais moi, je voudrais rectifier. Je voudrais rectifier un pas de la question pour dire que l'échec de la presse, quand ils pensent aujourd'hui que les journalistes se vendent moins cher, c'est que ça a commencé, ça fait longtemps. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. C'est que il faut d'abord voir depuis où on a piétiné avant d'aller voir là où on a fait tomber la bagarre. Moi, lui lit les choses à partir des conséquences, mais il ne lit pas ça à partir des causes réelles de l'échec de la presse. Si le journaliste aujourd'hui devient mendiant, ou bien s'il note que le journaliste se clochardise, c'est que des pouvoirs politiques, les autres acteurs, j'avais parlé tout à l'heure des acteurs et du monde économique, j'avais parlé tout à l'heure des acteurs politiques, c'est l'ensemble de ces gens qui ont travaillé à nous rendre impuissants.
c'est l'ensemble de ces gens qui se sont battus de leur côté pour arracher leur liberté, qui ont vu que nous ne sommes rien, qui ont vu que nous sommes puissants, mais s'ils mettent la main sur nous, qu'on n'aura pas gain de cause pour les affronter. Je vous dis, on se bombe le torse en public à dire nous sommes quatrième pouvoir, nous sommes quatrième pouvoir. Mais qu'est-ce que nous faisons pour mériter ce quatrième pouvoir? Rien. Nous ne le faisons pas. C'est pourquoi j'avais parlé de lutte. Mais s'il estime que la lutte devra être individuelle, d'accord. Avant d'être collectif. Oui, je ne refuse pas. Il faut corriger un certain nombre de comportements à nous-mêmes. Et ça rejoint la philosophie de Émile Durkheim, bon, pour mon philosophe et sociologue. Et donc, ça rejoint en quelque sorte cette logique de Émile Durkheim que tout fait de société est d'abord individuel avant d'être collectif. Mais au-delà de ça, nous devons déjà savoir de quel moyen nous disposons pour être véritablement, pour mener le combat individuel. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes le monde des médias, enfin, les gens, ils vont à l'école et c'est la plupart qui sont dans le secteur n'ont jamais fait une étude sur la communication ou le journalisme. La plupart, c'est des gens qui sont repêchés dans un autre domaine, qui tombent chez nous. Mais dans la formation sur l'État, ils ne se patientent pas pour suivre réellement la formation avant de se lancer dans la quête de l'argent. Nous avons des collaborateurs qui ne peuvent même pas écrire pour que vous publiez facilement. Mais quand vous les envoyez au reportage, c'est eux qui réclament les pédiums, les trucs là. À la fin du mois, ils crient sur tous les toits, tu ne nous donnes pas le temps. Donc, c'est dans cette spirale que nous voyons, mais ils ont raison. Ils ont raison parce que les gens n'ont pas voulu, enfin, les autres acteurs de la société n'ont pas voulu. Les patrons de presse, les maisons de médias, puisque tu as posé la question, oui. j'en venais là. Pour dire que comment fonctionnent les maisons d'édition de presse, comment nous fonctionnons aussi. C'est que on vit comme ça, il n'y a pas de contrat, et surtout avec ce régime depuis 2016, vous savez ce que nous en durons jusqu'à maintenant. Et donc, avec tout ça là, nous ne pouvons que nous résigner parce que on n'a pas de l'âme ou on n'a pas un autre bras armé pour nous aider à aller vraiment au front et gagner le combat. Donc, je note que il est question d'une prise de conscience collective. C'est pourquoi j'avais parlé de lutte. De lutte, si je veux rejoindre la philosophie de Karl Marx, et ça nous permettrait donc de nous mobiliser pour aller vraiment à arracher notre liberté comme cela se doit et démarquer, faire une démarcation entre le journalisme et la communication. Parce qu'aujourd'hui, il y a un foutu. On pense que le communicateur est un journaliste. Non, ils font peut-être deux choses différentes. Quand le journaliste se lève, c'est lui qui a la quête. Le journaliste n'est ami de personne. Et si je le dis, si tu veux être journaliste, il faut te dire, ce n'est pas pour devenir riche qu'on vient dans la presse. Impossible. On ne vient pas dans la presse parce qu'on veut de l'argent. On ne vient pas dans la presse pour se faire des amis. On vient dans la presse pour dire la vérité et rien que la vérité. Et sur le chemin de sacerdoce, on est obligé de se ressembler à Jésus de Nazareth. Merci à la Goliath que vous avez suivi. Vous avez suivi Gérard Nougbet. Dans cette lutte dont vous avez parlé, il faut travailler individuellement d'abord avant de penser maintenant à une réflexion collective. Quel rôle pensez-vous que les CFTR qui s'occupent de la presse, nous parlons bien évidemment de l'AC, nous parlons de l'UPM, nous parlons du CNPA et tout, peuvent jouer pour qu'on en arrive véritablement à ce résultat? Oui, je pense d'abord, si nous prenons d'il y a l'année 2022 où nous étions 121e sur le plan mondial, et puis aujourd'hui, en 2023, Reporters sans frontières nous classe 112e, c'est que nous avons fait 9 bons. C'est dire qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau-là. Mais vous avez parlé tout à l'heure des fêtières. Oui. Je pense, comme l'a dit l'artiste Pepi Wabaro, je prête ces mots, il faut soyer la tête de la tête.
les membres de la tête et puis les pieds de la tête. Quand je le dis ainsi, c'est vrai, vous savez, il faudrait quand même, je dirais, se retrouver autour d'une table et repenser un temps un peu la chose. C'est vrai, l'UPMB, vous avez parlé de l'UPMB, joue son rôle, d'accord, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait parce que il y a certains qui se sentent un peu, je dirais, isolés. Isolés. Et c'est peut-être lorsqu'on arrive à l'impingler quelque part qu'on voit l'action rapide en fait de l'UPMB, alors que ce ne serait pas ça. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais d'un moment festif. Pourquoi en fait l'UPMB ne peut pas prendre pendant la journée du 3 mai et essayer, pourquoi je dis tout à l'heure que c'est le mois de mai, c'est le mois de des hommes de, voilà, des médias. Et là, c'est qu'on fait un programme, l'UPMB peut organiser en fait une rencontre de jouissance avec les hommes de l'OME. Voyez-vous, et après, les hommes du plateau, du zoo, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas rester seulement à Cotonou pour dire qu'on est en train de défendre. Non, je pense qu'on doit organiser ces moments de réjouissance, c'est-à-dire de réflexion de réjouissance, en fait, d'accord, dans tous les départements du Bénin, pour intéresser tout ça, puis en fait, les journalistes qui sont dans les contrées. Voilà, en fait, le rôle que devait jouer ces fêtières. Et même chose pour le CNPA. Je parle sous le contrôle de Noumbé, qui est également un chef d'entreprise, parce qu'il est DP d'un journal. Et j'en viens pour eux. J'en viens là. Vous savez, et il faut avoir en fait le courage de dénoncer certains faits. En quel sens? En temps normal, il a dit tout à l'heure qu'on ne vient pas dans la presse pour s'enrichir. C'est vrai, le métier est un métier noble. C'est un métier noble. Mais il faut avoir de la dignité. On ne vend pas sa dignité. Quand vous vendez votre dignité, c'est que vous êtes perdu. C'est comme ça que ça se passe. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous observons des choses, en fait, des faits, d'accord, qui ne sont pas du tout bien. D'abord pour la République et pour nous-mêmes, en tant qu'humains. Je le dis, pourquoi? Il y a certains, ce n'est pas tout le monde, hein. Il y a certains, je parle de la catégorie des Noubais, c'est des pays chefs d'entreprise. Quand vous recrutez, c'est-à-dire quand vous avez votre entreprise, d'accord? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut interpeller nos consciences. Quand vous avez votre entreprise, et vous savez que c'est deux personnes que vous pouvez employer et mettre ces personnes dans les meilleures conditions, il faut prendre ces deux personnes et les mettre effectivement dans les meilleures conditions. Parce que pourquoi je le dis ainsi? Dieu nous a créés à son image. Nous sommes tous des semblables de Dieu. Donc si je vous regarde, vous Mathieu, c'est que vous êtes mon semblable. Vous voyez? Si je regarde Nougbenos, il est mon semblable. Je ne peux pas vouloir faire du mal à mon semblable. Impossible. Si je le fais ainsi, c'est que c'est un péché mortel. Mais qu'est-ce que nous observons? Nous créons notre entreprise. Nous recrutons. Et on n'arrive pas à payer les gars. C'est ce qui est compliqué. Comment on peut expliquer ça? C'est pourquoi j'ai dit, si vous créez votre entreprise, si c'est une personne ou deux personnes, prenez-les. Et mettez-les dans de meilleures conditions. Parce que les âmes, en fait, qui tournent autour de vous, je parle bien des âmes, ils doivent savoir quelque chose. Il n'est pas n'importe qui dans le phare. Les âmes qui rôdent autour de vous, mon cher Mathieu, ce sont des âmes sensibles. Et quand ces âmes commencent, d'accord, pas avoir des réflexions, pas avoir des mécontentements, vous-même qui êtes là, vous ne serez pas en paix. C'est vrai. Vous ne serez jamais en paix. Ça, vous pouvez avoir des millions de devant ces femmes, vous ne serez jamais en paix. Parce que vous n'arrivez pas, en fait, à nourrir ces âmes qui sont autour de vous. Il est temps que nos chefs d'entreprise arrivent à réfléchir, à penser à la chose. S'il y a lieu, si vous avez 5 personnes et vous savez que vous ne pouvez pas, et c'est 2 personnes, 3 personnes, prenez ces 3 personnes-là. Là, ils vont se sacrifier en fait pour jouer le rôle. Mais, mon cher Mathieu, ce qui se passe, je pense que Noumbé en sait quelque chose. Et c'est là où l'histoire de Kasseb est en train de rentrer dans les mailles. Justement, qu'on allait en parler, mais il n'y a pas de souci. Vous avez suivi, Martial Noumbé s'est adressé au responsable de presse, a parlé à la conscience individuelle. Vous l'avez suivi. Oui. Il a parlé de la conscience individuelle des patrons de presse. Et c'est bien pour la santé de la corporation. Il faut d'abord attaquer la tête pour voir s'il n'est pas pourri. Oui. Mais aujourd'hui, quand tu regardes dans une maison de presse, combien d'entrées ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont
de façon concrète pour gérer tout ce qu'ils ont derrière eux. Les fêtiers, ceux qui devraient se battre pour que nous ayons un minimum de choses, de gains de cause pour alimenter nos trucs, ne le font pas. Il a raison de le dire ainsi, mais quand tu regardes depuis la venue au pouvoir en 2016 du président Patrice Talon, lui-même, il sait ce qui s'est passé, non? On a annulé tous les contrats dans les structures de l'État, qui est un gros consommateur de ce que nous faisons. On a annulé tous les contrats, mais arrivé à un truc, parce qu'on avait parlé de normaux communication, on est arrivé à la normaux communication où on a fait descendre la presse de son piédestal et donc nous réduit au silence. Vous n'avez plus rien. L'État qui consomme donc ce que vous faites ne le fait plus. Et vous êtes resté là. Après, on a encore tout le tapage médiatique qui a caractérisé ce retrait ou cette régulation de la corporation dans l'État n'ont plus continué pendant qu'on a commencé à accepter certaines personnes. Maintenant, certaines presses. Ça veut dire qu'entre-temps, quelqu'un a voulu bien le faire, vous affamer pour que vous soyez au service de sa communication, à son service, pour que vous soyez à son service. Et je crois que c'est donc ce rôle, c'est une spirale en fait, c'est une spirale infernale dans laquelle nous sommes plongés depuis des lustres. C'est comme ça d'ailleurs dans tous les États. Tous les acteurs ont toujours voulu. Tous les acteurs, les pouvoirs ont toujours voulu avoir la presse à leur portée, ont toujours voulu que la presse soit à leur service. Donc, du coup, les nôtres aussi qui nous sont laissés pour aller de l'autre côté sont déjà devenus des communicateurs. Puis, s'ils ne sont plus avec nous, ils sont déjà devenus des communicateurs, ne peuvent plus réfléchir pour nous. Ils sont devenus communicateurs, mais n'ont pas oublié les principes qui régissent le métier. Non, ils le savent très bien, mais ils ne peuvent plus se battre pour nous. Ils vont plutôt se battre, prêcher pour leur paroisse. J'ai été chargé de communication plusieurs fois. Je sais ce que ça veut dire. Mais quand vous êtes là-bas, le langage là-bas est différent du langage que vous observez de l'autre côté. On sait bien que vous êtes fort. On sait bien que vous pouvez tout. Quand nous allons même dans des structures, le comportement du journaliste qui devrait nous caractériser, qui devrait nous amener à dénoncer ou à taper dans des fourmilières, ne nous anime plus parce qu'on dit Je préfère me taire au nom donc de la paix. Aujourd'hui, tout le monde a peur et très peu de gens font véritablement le journalisme. Donc, on préfère vendre même l'information à l'auteur. Et s'il a quelque chose, il vous donne. Et donc, c'est en cela que l'autre disait que la presse est réduite à la mendicité aujourd'hui. Je ne le pense pas. Il ne faudrait pas mettre en fait cette histoire qui se passe depuis 2016 sur le dos du président Talon. J'en viens, laissons le président Talon et vous avez dit de 2016. J'ai parlé d'un régime qui a amené la norme aux communications. Le régime. Et qui a supprimé les contrats des journalistes. Je suis. Et donc a préféré à opter pour un régime sans. Alors, nous sommes sur quel régime? Vous avez parlé de 2016. Nous sommes oui, de 2016. C'est le régime du président Patrice Talon. Je n'ai pas à le cacher. Je suis d'accord. J'ai dit, c'est là où j'en viens. J'ai dit 2016. Okay. D'accord? 2016 est lié à qui? Au président Patrice Talon. Vous avez peur de quoi? Il faut qu'on le dise. Et je dis, ne mettez pas ça sur le dos du président Patrice Talon. Prenons d'abord le mandat du président Boni Yayi. Beaucoup se sont enrichis. Au moment où les journalistes coupissent, les patrons, je parle des patrons. C'est les véhicules haut de gamme. Numéro 1, ils paradent. Mais au moment où les autres, en fait, qui sont en train de souffrir, n'ont rien à gagner. Mais hey, vous savez, c'est le moment, en fait, de nous dire la vérité et de corriger les choses. Oui, puisque non, ça peut... Écoutez, vous savez, c'est comme le dit, quand vous faites, en fait, du mal dans la vie, avant d'aller sous terre, vous allez payer sur terre. Je dis bien, la justice divine. C'est ça. Mais le problème, c'est quoi? Si vous atteignez la justice divine, c'est-à-dire le jour où ça viendra, vous aurez chaud.
il faut faire tout possible pour corriger le tir avant le dernier jour. C'est très important. Et dans ce contexte précis... Oui, c'est pour vous dire quoi. Mon cher Mathieu, vous gagnez quelque chose. Même si c'est 100 francs, donnez 25 francs à celui qui souffre, enfin qui va sur le terrain pour travailler pour vous. C'est ça la réalité des choses. Ne restez pas là à prendre les 100% et ne pas satisfaire en fait votre semblable. C'est ce que vous déplorez. C'est ce que je déplore en fait. Pourquoi ne pas donner le peu à l'autre? Il en a besoin pour nourrir sa famille. Noubet dit qu'actuellement il n'y a pas de contrat. Mon cher Mathieu, je vais vous dire une chose. Vous savez, le chef de l'État, il est très intelligent. Il y avait de fous tout. Non, disons la vérité, il y avait de fous tout. Dans presque tous les secteurs. Mais s'il a décidé d'assainir un peu notre secteur, c'est vrai, la nomocommunication n'a pas porté ses fruits. Non, ce n'était même pas une bonne chose. Reconnaissons le droit de le dire. Ce n'est pas une bonne chose. On ne peut pas parler de nomocommunication. Non, du tout pas. Heureusement. Dans quel sens vous allez quand vous parlez de nomocommunication? Ça ne peut pas porter ses fruits. Non, du tout pas. Donc, de ce fait, si aujourd'hui, ils ont compris les choses, il y a une ouverture. Il y a de contrats. Déjà. Il y a de contrats. C'est peut-être Noubé qui n'a pas encore retrouvé. C'est Noubé qui n'a pas reçu de contrat. Il y a de contrats. On n'a pas encore reçu. Bon, ok, peut-être que c'est eux qui sont dedans. Ils vont vous aider certainement. Voyez-vous, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure une chose. J'ai dit que d'abord, ce rôle que vous jouez est d'abord individuel avant d'être collectif. Si vous faites votre travail de façon impeccable, mais attendez à recevoir des coups de fil. Ah, monsieur Noubé, ce que tu fais, c'est bon pour la nation. On vous invite automatiquement. C'est ça la réalité des choses. Est-ce qu'on peut espérer ce coup de fil aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est facile de le recevoir? C'est très facile si vous faites un travail impeccable. Ah bon? Parce que vous travaillez pour la République. Bon. Et si votre travail est impeccable, je ne sais pas sachez le que... Travail. Non, le travail dont je parle, vous êtes journaliste. Vous avez votre journal. D'accord? Et vous, quand vous sortez en fait un journal, d'accord? Quand vous éditez un journal et ça sort, mais vous envoyez des informations. Pour le peuple. Des informations traitées pour le peuple. Traitées pour le peuple. Et si c'est comme tel, et vous le faites de façon impeccable, sachez que vous allez toujours gagner le prix. Ok. Nous allons espérer ce coup de fil parce que nous le faisons, nous sommes conscients du travail professionnel que nous faisons. Nous lisons également les autres médias. Nous vous lisons et on voit comment ça fonctionne. On voit les types de communication que vous diffusez. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ont créé une cellule et les informations que la plupart des journaux publient sont sur les canaux digitaux du gouvernement. Et c'est là-bas que vous piquez les informations. Je lis des journaux le matin qui ne font aucune analyse, aucun papier de terrain, et c'est ça qu'ils publient tout le temps. Et c'est ça qui est le type de d'informations que nous devons servir au peuple pour attendre un coup de fil. Ce n'est pas grave, nous sommes conscients. Mais je vous dis une chose. Permettez-moi de vous dire une chose. Non, s'il vous plaît. C'est juste. Non, attendez. Non, vous avez sorti un pan. Et c'est très important. Je vais vous dire une chose, mon cher Noubé. Même si éventuellement le gouvernement a ces canaux digitaux dont vous avez parlé, d'accord, et a sorti une information sur la plateforme, et vous allez chercher, vous allez faire copier-coller. Je dis la plupart des organes qui ont déjà reçu ce coup de fil là depuis trois ans et qui jouissent sont des organes qui en réalité ne font que copier-coller, ne font que diffuser. Et ce n'est pas vrai. C'est là où j'en viens. Ce qui n'est pas bien, mais ils en ont bénéficié. Ce n'est pas donc, vrai. Comprenez donc que le mal est ailleurs et il faut qu'on lutte. Ce n'est pas vrai, mon cher Noubé. Ce n'est pas vrai. Il faut qu'on lutte ensemble. La lutte ne devrait pas être donc, devrait donc collective pour arracher cette liberté-là et permettre vraiment que les maisons de presse ou les organes de presse puissent jouir de la redistribution des ressources de trucs. Ça, c'est ce que je n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand le chef de l'État effectue une descente dans une région, d'accord, est-ce que vous avez besoin d'aller sur la plateforme du gouvernement pour avoir l'information et traiter? Non. Soyons des professionnels. Vous avez besoin d'aller sur la plateforme pour aller traiter, pour aller avoir l'information et traiter. Donc, quand on parle en fait des canaux digitaux, c'est vrai, ils sont là. Pourquoi? Vous avez été chargé de communication. Vous avez été attaché de presse.
Donc vous soyez l'image de votre ministre, du ministre en son temps, oui ou non? Donc c'est comme ça que également les cadres digitaux qui sont du gouvernement sont là pour soyez l'image du chef de l'État. Mais, quand il dit mais, vous n'avez pas besoin d'aller sur la plateforme pour faire votre travail. Aucunement, vous n'avez pas besoin. C'est pour vous dire quoi? En tant que journaliste professionnel, n'attendez pas. Ce qui arrive, c'est quoi? On critique, on dit non, comme ils sont, et peut-être que comme ils sont là-bas, c'est eux qui mangent le gâteau. C'est faux. Merci à Goliago, puisque le temps qui nous est imparti très rapidement vers sa fin. Vous avez suivi Kassem ces derniers jours-là qui met désormais en branle une machine pour fracasser la gueule des promoteurs d'organes fictifs. Vous avez vu ce que nous avons lu sur la toile? Vous savez, moi, lorsque j'ai eu vent de cette affaire, ça m'a fait rire. Mm-hmm. Ça m'a fait sourire, pardon. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est les Nougbé qui feront ce combat-là. Vous savez, il y a un fait. C'est là où j'en viens. Lorsque je parlais, en fait, des hommes, des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à payer les journalistes. Vous savez, le journaliste, il va grandir un jour, non? Parce qu'il connaît les rouages. Mmh. Oui, c'est l'intrus qui connaît la maison. Mmh. Il connaît les rouages. Mais si vous le rudoyez pendant des années, et il connaît déjà la maison, il va faire quoi? Il crée son journal. Oui, et il va commencer. Donc, la floraison des journaux que vous voyez, en fait, c'est sur les réseaux sociaux. Et qui font ces genre de choses et qui n'arrivent pas en fait à rendre légal en fait leur organe. Oui. La faute revient au chef d'entreprise de presse. Oui, la faute leur revient. On va prendre l'avis de Moumba avant de revenir à votre conclusion. Oui. Bon, si tu tombes malade, celui qui veut épouser ta femme ou reprendre ta femme sera toujours content. Lui va prier pour que tu meurs vite. Pour qu'il reprenne ta femme. Donc, je crois que le combat aujourd'hui, ceux qui mènent ce combat-là, oui, doivent être des gens qui ne sont pas contents que des jeunes comme puissent créer leurs journaux, leurs organes et continuer leur vie. Est-ce qu'ils disent qu'ils ne vont pas créer? Bon, ils disent qu'ils ne vont pas créer. J'ai oui entendre quelque part qu'il faut que des journaux qui n'ont pas fait la formalité, leur formalité au niveau de la HAC. La haute autorité, il y a encore un journaliste au Bénin. Je me prends de 2 ans, personne n'est journaliste au Bénin. Parce que la loi dit que pour être journaliste, il faut être détenteur de la carte de presse de la HAC. Aucun journaliste n'a de carte de presse au Bénin. C'est le combat que nous devons mener, ça. C'est de la noblesse, toute la noblesse du combat qui nous attend, ça. On nous a dit, dans ce pays, nous allons peut-être revenir à ce débat. Votre mention rapidement. Non, je pense pour en venir là, il faudrait désormais que même pour la carte dont il parle, qu'on fasse comme les autres, c'est-à-dire quand votre carte est périmée, au lieu qu'on vous retire la carte, mais qu'on essaie de dire bon, faut renouveler, mais on aura les anciennes. Parce que vous savez, c'est vrai ce qu'il a dit. Moi, j'ai voyagé la fois dernière. Vous l'aviez dit. Oui, mais j'étais allé à un séminaire international. Mais je ne pouvais pas rentrer dans la salle. Pour défaut de carte de presse. Ça fait mal. Parce qu'ils ont refusé en fait la carte de presse de l'organe. Ils veulent la carte de la RAC. Et à cause de ça, je suis rentré. Mais pourquoi en fait, depuis un an, on n'a pas délivré la carte? Donc il faudrait en fait, effectivement, mener ces gens de lutte. Parce que la RAC est là en fait pour nous accompagner. En fait, le combat ne devrait être même pas là. Le combat devrait être de se rapprocher de la HAC. Parce que peut-être que la HAC lui-même est en difficulté pour nous avoir la carte de presse. Je l'avais dit tout à l'heure, que les politiques ne voudront jamais que la presse émerge. Et c'est la politique qui a instruit, qui a mis en place l'instance qui est là, qui s'appelle HAC. Donc si la HAC lui-même est en difficulté, il faudrait que nous, journalistes, nous unissions pour l'aider donc à défoncer la porte, pour nous permettre d'avoir la carte de presse. Mais il n'y a pas que la carte de presse qui est le problème que nous avons. Est-ce que ces fêtières que vous appelez CNPA, que vous appelez Kassem, que vous voulez donner tous les noms que vous voulez... Kassem, c'est plus petit. Ah, ok. Que vous appelez encore quoi? Et Padem. Est-ce que ces fêtières-là ont cherché à rencontrer les journalistes qui ont des problèmes à se faire enregistrer pour voir le problème de ces organes ou de ces promoteurs d'organes? Ils ne l'ont pas nous fait. Allons, la HAC qui est là ne s'est jamais plus. Sommes dans un régime déclaratif où, si tu écris même une lettre à la HAC pour dire que tu as un journal, c'est fini, c'est la HAC qui t'a lu de te rappeler pour te dire, voilà, il faut nous amener ceci, il faut venir te formaliser. Mais la formalisation aussi, c'est une formation
formalisation ridicule. Parce que on le fait aujourd'hui. Gérard Nougbé a déchaîné dans ce studio. Martial, j'espère que c'est bon. Martial, j'espère que c'est bon. Il a intérêt parce qu'il est chef d'entreprise. Oui, il faut que son journal arrive quand même à gagner le pari. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Vous suivrez une nouvelle diffusion, ce débat sur les canaux de diffusion de National TV le mardi, c'est-à-dire demain, donc à partir de 10h30. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est en continu. Nous y sommes. Merci à vous de nous avoir suivis. Une fois encore, au revoir.